Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va s'ouvrir la meilleure série Pokémon du bloc écarlate et violet actuel. Mais avant de commencer la vidéo, si t'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait plaisir. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment le petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. De plus, dis-moi dans les commentaires ce que tu voudrais en giveaway ce mois-ci. Je ne me suis toujours pas décidé si c'est un tri-pack, un blister, un duo-pack, enfin ce que tu veux, dis-moi dans les commentaires pour me faire une petite idée. De plus, si tu n'as toujours pas rejoint le Discord, je te conseille vraiment de nous rejoindre, on est de plus en plus. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, on va s'ouvrir pour moi une des meilleures séries Pokémon qui va vraiment coûter un petit billet, qui coûte déjà un petit billet d'ailleurs, sur Serpento Alternative qui coûte déjà environ 180 €. C'est bien évidemment Force Temporelle. Voilà, on va s'ouvrir deux tripacks. On va se faire plaisir. J'en ai pas ouvert beaucoup sur la chaîne. J'espère vraiment qu'on va avoir de belles cartes. En plus, dedans, il y a pas mal d'ectoplasma à aller chercher. Allez, let's go. Allez, on va déceler le premier tripack. Let's go. Hop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les boosters. La carte promo, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est Motorizard. Vous connaissez déjà Cosmofoil. De plus, si tu es toujours là, reste connecté parce que dimanche, je sors une vidéo banger. Franchement, vous n'êtes pas prêts, les amis, si vraiment c'est vrai. Voilà, le petit code pour vous. Allez, on commence l'ouverture. Et oui. Je pense que ça va être une très très grosse annonce. Après, j'espère que ça sera vrai, à voir avec le temps. En tous les cas, ça va être la folie. Hop, le petit code pour vous et on commence avec le premier booster. Allez, oh, petit Granipio, Caiminus, oh là là, un de mes Pokémon préférés honnêtement, Vivaldin, Poichijon, Tondeuse de main, Berasca, Tête de fer, Meditica en première river, c'est ce qu'on va voir quelque chose. Non, Monsieur Mimion river, c'est derrière. Oh, Cisayokex. J'espère vraiment l'avoir en full art, le petit Cisayokex. Franchement, j'adore ce Pokémon. Ça fait plaisir. Et derrière, la petite énergie. Et bien, premier hit, premier booster. Ça fait plaisir. D'ailleurs, dans cette série, il y a vraiment un bon taux de drop. Hein. Mais les alternatives sont vraiment dures à aller chercher. Allez, le petit code, deuxième booster. Bon, on va commencer avec un petit Vitini. Archéomir, Thiboudet, Fantominus, encore Tête de fer, Sinistrel, et les câbles. Oh, Raichu en reverse, est-ce qu'on va avoir une TG, enfin une AR? Non, ça sera un déflaisant en reverse. Et derrière, on aura Coraidon holographique. Ok. Bon, c'est un petit texte dans le premier tripack. Ça fait juste. Est-ce que le troisième va nous sauver? Je l'espère. Alors après, c'est des tripacks que j'ai acheté 12 € honnêtement. Franchement, vous pouvez y aller sur EV6, EV5, EV4. À 12-13 €, honnêtement, ça fait pas cher le booster. Terral, Chapignon, Charbi, Poichijon encore, Keldeo, Tête de fer. Wow, on les aura eu dans le. Enfin, on l'aura eu dans les trois boosters, le Tête de fer, encore Sinistrel, Farfaduvé Reverse. Oh, on n'aura pas d'AR, out. Et malheureusement, on aura un Trial holographique. Bon, premier booster. Juste une ex, honnêtement, allez, ça fait mal. Ça fait mal. Hop, j'ai vu le sleeve. Parce que bon, je sleeve tous mes hits. Voilà, histoire de pas abîmer les cartes. Très joli ce petit Cisayox, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Allez, on passe sur le deuxième tripack. J'espère qu'il sera plus chanceux. Hop, allez. Le Motorizard, je le suivrai après. On va commencer. Hop, le petit code.
juste ici pour vous. Si vous jouez au jeu en ligne, allez donc au premier tripack. Enfin non, deuxième tripack, pardon. Pour l'instant, c'est très très léger. Allez, le petit code. Let's go. Oh, petit Pikachu. Ok. Fantominus. Loser. Cripat. Scolossandre. Super Dauphin. Nefli. Rubombelle. Ah, toujours pas d'air. Electek en reverse, très joli, mais c'est pas ce qu'on veut. Alligator Holo, très joli également, mais c'est pas ce qu'on veut, honnêtement. Oh, si je fais qu'un hit en 6 boosters. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, le Serpento. Pourquoi pas. Après, faut vraiment aimer ces séries. Hein. Ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est pas tout le monde qui aime. Le bloc écarlate et violet, voilà. Faut vraiment attendre la fin d'année pour avoir de belles séries, j'ai l'impression, même si honnêtement EV2, EV4, EV5, j'adore. Il y a des belles airs, Mizdibule, Meditica, Bumata, Bourinos, décodage de Decryptoman, Eden, Azumarill. Oh là là, toujours pas d'air, Azumarill. Maril en river, c'est toujours pas de hit. Oh là 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 là. Oh, j'ai pas de chance. Honnêtement, j'ai pas de chance. Le plus gros hit que j'ai sorti sur Pokémon en alternative, c'est bien évidemment Lugia Alt. Mais à part ça, que dalle. Hein. Je suis poisseux. D'ailleurs, j'espère que je suis pas le seul. Parce qu'en ouverture, j'ai vraiment jamais de chance. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de chance. Moi, c'est pas le cas. En 6 boosters, on a fait qu'une simple petite ex, Cisaiox, voilà, qui est juste ici. Allez, Dauphin, dernier booster. Archéomir, Graena, Meios, guide d'exploration, Montracite. Jungle périlleuse. Meditica. Waouh, Meditica en reverse. On l'a eu combien de fois? Allez, une AR. Oh là 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 là. Chapignon reverse. Et derrière, on aura encore un Alic. Oh là là. Honnêtement, c'est désastreux cette ouverture. Franchement, je suis grave déçu. Mais bon, c'est Pokémon. Pokémon, c'est compliqué. On peut pas tout le temps avoir de la chance. Et ben sur 2 tripacks, on aura eu qu'un simple hit, Cisaiox, ex EV5. Honnêtement, c'est dur de drop. Honnêtement, des belles cartes. Bref, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve demain, dimanche matin, 7h, je pense, pour la nouvelle vidéo banger. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêtes. Ça annonce du lourd. J'espère que ça va se réaliser. Si ça se réalise, ça va faire parler, croyez-moi. Allez, c'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses, un bon week-end, ce que tu veux, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe, on se retrouve demain, c'était Valou. Ciao!